Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la réforme explosive des retraites. C'est une réforme profonde qui vise à fondre la quarantaine de régimes existants en un système universel pour tous, aussi bien les salariés du privé, les fonctionnaires que les indépendants, ce qui suscite de l'inquiétude. Beaucoup craignent de travailler plus longtemps et d'avoir une retraite plus faible. Pas moins de 800 000 personnes sont descendues dans les rues pour manifester justement contre cette réforme, mais que va-t-elle changer concrètement et comment peut-on la limiter, cette fronde populaire, sans remettre en cause la viabilité économique de notre système de retraite par répartition demain On va en débattre avec Catherine Fab, députée LREM de Gironde, et Marc Vieseli, qui est du syndicat des professeurs des écoles SNUIPP en Gironde. Catherine Fab, rappelez-nous pourquoi justement cette réforme des retraites est indispensable. Bah en fait, cette réforme, elle est indispensable justement pour préserver notre modèle des retraites. Il date de 1945 et depuis 70 ans, le monde, le monde a beaucoup changé. Et notamment, euh, les personnes prennent un travail puis un autre. On, on change de statut et de métier euh, tout au cours de la vie. Et aujourd'hui, avec 42 régimes de retraite différents, euh, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Euh, cette complexité des 42 régimes euh, entraîne euh, bah, beaucoup d'angoisse. Quand on passe d'un métier à l'autre, on ne sait pas vraiment comment ça va se traduire en termes de retraite. Et on n'a plus aucune compréhension et visibilité de la retraite qu'on aura plus tard. Et on s'aperçoit aujourd'hui que plus de 80% des jeunes pensent qu'ils n'auront pas de système de retraite. Et ça, c'est très grave parce que ce système, il est basé sur une solidarité intergénérationnelle. Ce sont les actifs qui paient la retraite des retraités. Euh, au même moment. En 2019, ce sont les actifs de 2019 qui paient pour les retraités de 2019. Et donc ce système ne fonctionne que si tout le monde a confiance dans le système. C'est pour ça qu'il faut le refonder autour euh, d'un système qui soit viable, qui soit sécurisé. Et ça, c'est vraiment le plus important, le rendre plus clair, plus lisible et puis plus juste aussi pour tout le monde. Puisque aujourd'hui, deux personnes qui cotisent la même chose et qui font à peu près le même métier n'ont pas euh, les mêmes droits à la retraite plus tard. Tout ça simplement parce qu'elles sont dans deux régimes différents. Et ça, je pense que ce n'est pas très accepté aujourd'hui par les Français. Et enfin... Euh, dernière raison, euh, ça je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Le système actuel, même si c'est un beau système et si on, on tient à, à garder notre système de retraite euh, qui est très protecteur en France euh, comparé aux autres pays, mais on s'aperçoit quand même euh, qu'il recèle un certain nombre d'injustices et notamment euh, qu'il protège assez mal les plus faibles. Et donc là aussi, on a un fort enjeu sur euh, re répartir euh, différemment en faveur des plus faibles, des femmes, des professions précaires, des personnes qui progressent peu euh, en salaire. Tout au long euh, euh, de leur carrière, ben ces personnes-là, aujourd'hui, elles ont besoin d'être plus euh, sécurisées. Et, et la réforme répond à ça euh, de manière large. Donc, c'est un beau projet social, cette réforme des retraites. Marc Viesemi, c'est une vision que vous partagez. Justement, qu'est-ce que vous, vous reprochez à cette réforme Alors Du nous, côté euh, des enseignants Qu'est-ce qu'on reproche à, à cette réforme bah de, de ne pas répondre aux enjeux qui viennent d'être posés. Euh, C'est-à-dire que. Nous, on ne voit pas dans le projet de retraite euh, par point qui est proposé aujourd'hui en quoi euh, il répond euh, aux inquiétudes que les gens pourraient avoir ou euh, en quoi il répond à la viabilité du système à venir ou en quoi on pourrait avoir plus confiance euh, dans ce système que dans celui qui est actuel. Qui a certes euh, tout un tas de défauts, euh, mais euh, bon, il faut quand même rappeler que les, les inégalités et les défauts euh, du système actuel, elles sont aussi liées en grande partie à des réformes successives qui l'ont abîmé. On peut penser à l'allongement de la durée de cotisation, aux allongements d'âge de, de départ à la retraite à taux plein. On peut parler du passage de, du calcul de la pension sur les 10 meilleures années qui a été allongé au calcul sur les 25 meilleures années. Tout ça, ça a été des réformes successives qui ont fait baisser les pensions qui ont, des, des gens du régime général. Parce qu'on parle des régimes spéciaux et c'est beaucoup mis en avant, mais les régimes spéciaux, d'abord, ne concernent finalement pas un une si grosse masse d'argent que ça par rapport euh, au coût général des pensions. Et ensuite, il faut s'interroger sur euh, pourquoi est-ce qu'il y a des régimes spéciaux et à quoi ils servent. Et euh, quand on parle du régime de la fonction publique qui nous concerne, nous les enseignants par exemple, euh, la carrière des fonctionnaires aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe pour une carrière dans le privé. Alors là où je rejoins euh, ce qui est dit, c'est par rapport euh, aux différents euh, parcours qui se multiplient. Euh, et c'est vrai que nous, au SNUPP, par exemple, on, on demande à ce que la, ce qu'on appelle les polypensionnés pensionnés euh, euh, fassent l'objet d'une vraie attention. Mais le basculement dans une retraite par points, pour nous, ne répond pas à ces enjeux-là, qui pourraient faire l'objet euh, d'aménagements du système des retraites euh, et, et des régimes des retraites tels qu'ils existent aujourd'hui. Euh, voilà. Catherine Fabre, euh, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques, justement ben, moi, je pense que faire un seul régime euh, et à points, euh, ça permet aux personnes de voir qu'elles cumulent des points tout au long de leur vie. Euh, quand elles changent de statut, qu'elles sont profs dans le public et qu'ensuite elles passent profs dans le privé, ben, elles sont toujours sur les mêmes règles hein, d'accumulation de droits à la retraite. Donc, elles y voient beaucoup plus clair. Et ça permet aux gens de faire leur choix euh, en connaissance de cause. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on euh, change de métier, alors peut-être parce qu'on a envie de changer de métier, et c'est très bien, mais on ne sait pas du tout euh, quelles implications ça va avoir sur notre retraite, c'est quelque part assez dangereux. Moi-même, je suis pareil, hein, Je suis enseignante à l'université, et euh, si je pars, par exemple, de l'université avant, euh, au bout de cinq ans, avant ma retraite, mais comment Je ne sais pas du tout comment se calcule ma retraite, puisque normalement, elle se calcule sur les six derniers mois. Enfin, voilà, il y a tout un tas comme ça de questions aujourd'hui, auxquelles on ne peut pas répondre avec ce, ce régime. Et le système à points, euh, il a comme logique importante que chaque heure, chaque jour travaillé est un jour qui donne lieu à des cotisations et chaque cotisation donne lieu à des droits à la retraite. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Quand on a un système par trimestre, on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes, des artisans, des agriculteurs, des personnes qui font des petits boulots, des personnes qui sont à temps partiel, cotisent parce qu'ils ont un salaire ou parce qu'ils ont des revenus, mais ces revenus ne sont pas suffisants pour que ça donne droit à la retraite. Donc ils cotisent finalement pour payer les retraites des gens qui ont des carrières stables. Et c'est là où on dit que le système actuel, il précarise. Et nous, ce qu'on veut, c'est que chaque moment travaillé donne droit à des droits à la retraite et que justement, ça permette de sécuriser toutes ces personnes. Par exemple, c'est un des, un des atouts de ce système. Est-ce que ça veut dire avec cette réforme qu'on va forcément travailler plus longtemps demain pour que le système de retraite actuel et surtout demain reste viable Mais En fait, vous savez, le système, le système de répartition dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont les actifs qui financent les retraités d'un moment. Dans les années 60, il y avait 4 actifs qui finançaient un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs qui financent un retraité. Donc le système réforme ou pas réforme, il faut qu'il soit viable. Il faut qu'il soit financé. Et c'est pour ça qu'il y a eu, par le passé, toute une série de réformes paramétriques, c'est-à-dire qu'on change rien du squelette global, mais on retarde l'âge de départ, ou on diminue le montant des pensions, ou on augmente les cotisations, parce qu'il faut équilibrer le système pour qu'il soit viable, tout simplement. Et donc aujourd'hui, c'est pas tant ça qu'on veut faire. On veut pas. Euh, euh, particulièrement euh, euh, augmenter l'âge euh, ou l'abaisser, c'est pas trop la question parce que qu'il y ait une réforme ou qu'il n'y ait pas de réforme, de toute manière il faudra l'équilibrer ce système. Donc, ça, c'est pas trop la question. Nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est simplifier le système. Il y avait 42 régimes, honnêtement, c'est pas cohérent. 42 régimes, c'est pas cohérent, on n'y comprend rien. Aujourd'hui, les gens changent de métier cinq fois, six fois dans la carrière, ils sont polypensionnés. Et ils ne comprennent rien à leur retraite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est apporter plus de flexibilité, plus de fluidité dans les parcours, plus de clarté, pour que les gens sachent mieux euh, exactement à quoi ils auront droit, pour redonner confiance justement dans ce système. Et ensuite, quand je parle de beaux projets sociaux, c'est parce que justement, on veut garder l'ambition actuelle sur le système des retraites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un beau système qui consacre 14% de, de, du PIB, de la richesse du pays à ses retraités, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus que dans les autres pays, on veut, conser on veut conserver ça. Mais on veut juste le répartir pour mieux protéger les plus faibles, tout simplement. Et, et donc il n'y a, a pas vraiment euh, de crainte à avoir par rapport à ça. C'est ce qu'on suit, c'est un projet social. Et alors ensuite, il faudra encore voir encore plus loin comment est-ce qu'on travaille la pénibilité, comment est-ce que on part dans les carrières de manière plus progressive, parce que ça, je pense que c'est une grosse attente également des Français. C'est un gros sujet. Est-ce que vous, par exemple, vous voyez travailler jusqu'à 64 ans Non, mais je pense qu'il faut, faut tout reprendre quoi. C'est-à-dire que oui, le nombre d'actifs qui cotisent pour le nombre de retraités diminue. Ça, on est d'accord, c'est vrai. Il y avait quatre actifs pour un retraité dans les années 60. Enfin, d'accord. La question, c'est quelle est la richesse produite par les actifs. C'est ça le problème. En vrai, qu'il soit quatre pour un retraité ou 10 pour un retraité ou un pour un retraité, la question, c'est quelle est la richesse qui est produite et comment elle est redistribuée. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit 14 enfin 13,8 du PIB pour pour financer les retraites, euh, on va contraindre ça, on y touche plus, il ne faut pas que ça augmente. Ça a augmenté. Non, il ne faut pas que ça diminue. Ça a <laughs> augmenté, non, non. Euh, oui. Mmh. Mais nous, Parce que là, nous, en ce pense, moment, ça diminue. Hein. Nous, on pense qu'il faut que ça augmente. Et, et justement, ça diminue pourquoi enfin, Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est produit et il ne va pas, par exemple, au financement des retraites. Euh, il va ailleurs. Alors, nous, ce qu'on ce qu pense, c'est qu'il faut retravailler euh, le partage de la richesse qui est produite. Un actif aujourd'hui, il produit bien plus que ce que produisait un actif dans les années 60. Donc la question n'est pas tant de savoir quel est le ratio retraité/non retraité, elle est de savoir la richesse produite, comment on la distribue entre les différents acteurs. Euh, moi après, je veux bien croire que tout ça se soit fait pour venir euh, à l'aide des plus démunis. Sauf que en réalité, dans le système par points, euh, ben bah oui, toute période travaillée, enfin toute période travaillée, en tout cas tout salaire touché euh, participera à l'achat de points, d'accord. Mais quand vous avez des petits salaires, vous achèterez Très peu de points. Voilà. Donc en réalité, euh, peut-être que ça comptera, mais à la, au final, au bout du bout, votre pension, euh, elle sera ridicule. Voilà, c'est tout. Et, et en plus, euh, les mauvaises années compteront aussi. Les bonnes années compteront, tant mieux pour les gens qui ont des bonnes années avec des bons salaires, mais les mauvaises années, elles compteront aussi. D'accord Aujourd'hui, c'est les 25 meilleures années qui sont prises en compte. Alors j'entends sur euh, le travail précaire. Enfin, et puis la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a du travail euh, le taux de chômage, il augmente chez les seniors. Euh, les gens finissent leur carrière sans avoir d'emploi, en ayant des temps partiels qui sont souvent imposés, parce qu'ils n'ont pas le choix. — Enfin, c'est oui, compliqué, la répondre, quand même, d'aller jusqu'à 64 ans. Comment euh, le gouvernement va accompagner l'emploi des seniors On, on sait que c'est difficile. Hein. À partir de 50 ans, on commence à dire que sur le marché du travail, c'est compliqué si on, mmh. si on perd son emploi. Oui, il y a des vrais enjeux autour de l'emploi des seniors, ça c'est certain. Euh, mais il y a des enjeux, réforme ou pas réforme, on a des enjeux autour de l'emploi des seniors. Vous voyez ce que je veux dire C'est un gros problème globalement qu'on doit traiter euh, par ailleurs. Mais là, quand vous dites... Euh, quand il y aura des, des ruptures de carrière, ça veut dire qu'il n'y a pas de points et le système à points, de fait, font les pensions véhicules. Non, non, non. Si on reste si on reste sur la même ambition que la valeur du point ne baisse pas on voit actuellement il y a un régime qui marche très bien c'est la complémentaire des salariés du privé agir carco euh, qui marche avec un système à points qui est euh, piloté par les partenaires sociaux et le poids n'a jamais baissé depuis que ça existe. Et donc, on voit très bien qu'on peut sécuriser le fait que le poids ne baisse pas. Et donc, on peut sécuriser les pensions. Et nous, notre but, c'est pas de réduire les pensions en peau de chagrin. Quel, quel serait l'intérêt de faire ça On n'est pas là pour paupériser la Terre entière. Ce n'est pas notre ambition. Nous, notre ambition, c'est que, justement, on, que les retraités, qu'on garde notre modèle de retraite. Et, euh, et, et le, quand on vous dit que le système à point redistribue mieux... C'est parce que justement, à enveloppe égale, à montant égal, justement, quand on prend l'ensemble de la, de la carrière, ça permet justement de prendre en compte ces carrières hachées. Quand il y a des périodes de chômage, il y aura des points de solidarité qui seront donnés. Quand il y a des congés maternité, il y aura des, des points de congés maternité qui seront donnés. Donc, ces moments, si vous voulez, de creux dans la carrière peuvent tout à fait être pris en charge par la solidarité dans le système. Donc ça, ce n'est pas tant le sujet. Aujourd'hui, quand on dit on prend les six derniers mois ou on prend les 25 meilleures années, ça avantage qui Ça avantage les gens qui ont des carrières ascendantes, qui ont des carrières progressives. Ça avantage, et les personnes qui ont des carrières plates et qui, sont vraiment, qui font le même métier toute leur vie comprennent sur les 25 ans, ça ne les aide pas, eux, en répartition. C'est eux qui se font avoir, finalement. Donc c'est ça, la question. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un système à points, au contraire, ça va permettre euh, à ceux qui sont finalement... Euh, qui ont des, 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 comment dire, des métiers euh, peu progressifs, ça va leur permettre d'avoir de meilleures pensions. Et c'est ça, le but de cette réforme. Jusqu'où vous êtes prêts à aller au niveau des syndicats contre cette réforme Mais nous, encore une fois, on, on pense que la réforme, euh, que le système par points va faire baisser les pensions. Euh, alors, moi, après, je suis pas. Il me semble que dans les pays où il a été mis en place, euh, les pensions ont baissé, euh, qu'on a vu euh, exploser le nombre de, de retraités pauvres. Hein, euh, et on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas le cas euh, en, en France. Il enfin, n'y a aucune raison. Sur le point qui ne va pas baisser, alors on peut sécuriser, euh, évidemment. On a entendu que notre ministre, M. Blanquer, nous a promis que, que le point ne baisserait pas. Quel est l'intérêt d'un système de retraite par point euh, si ce n'est qu'on peut agir sur le montant des pensions qui sont versées en ajustant la valeur du point. Ça sert à ça, un système par non. point. Ça sert à ajuster la dépense qui va être consacrée au paiement des pensions pour rester dans le cadre budgétaire que M. Mmh. Delevoye et M. Macron se sont, ont, ont eux-mêmes décidé. Hein. C'est eux qui ont dit euh, l'enveloppe ne bougera plus, il faut qu'on soit en budget contraint. Ben, ben, si on est en budget contraint et qu'il y a plus de retraités à payer, il faut bien trouver une solution. Donc ce sera soit l'âge au départ, M. Blanquer l'a dit, il a dit, bah oui, mais si on ne bouge pas au point, il faudra bien toucher un paramètre, et c'est ce, et sur l'âge qu'on va réfléchir. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Éducation. Et alors, juste sur la mobilisation, par rapport aux téléspectateurs qui nous écoutent, jusqu'où vous êtes prêts à aller euh, en termes de grève, en termes de mobilisation Actuellement, on a lancé un mot d'ordre très fort euh, d'appel à la grève, reconductible partout où c'est possible, et on va continuer à, à agir auprès de nos collègues pour les convaincre. De la nocivité de ce projet, pour les convaincre que nous, professeurs des écoles, pour le coup, et là, personne ne, ne dit le contraire, nous allons, nous allons beaucoup y perdre. Euh, euh. Je dis le contraire. Oui, enfin, alors comment on ne va pas y perdre bah, juste, je <laughs> <pense> Moi, je <laughs> veux que, bien. Je, je pense qu'au contraire, vous avez tout à y gagner, et, et j'ai du mal à comprendre. Je comprends vos inquiétudes, parce que c'est vrai que si on prend juste le système à point pur et dur, le, les enseignants sont peut-être les personnes qui, si on prenait ça, mais c'est pas ce qu'on fait, pourraient y perdre. Et justement parce que c'est pas ce qu'on fait et parce qu'on n'a pas envie euh, qu'il y ait des perdants euh, dans cette réforme, l'idée, c'est justement de dire, euh, ben, profitons-en, profitons de cette réforme pour revoir les revalorisations des enseignants puisqu'on est d'accord que les enseignants ne sont pas suffisamment payés et ça fait un moment que ça dure. Donc, profitons-en pour revoir à la hausse et moi, je trouve que c'est un, une belle opportunité dont vous devriez vous saisir. Que vous soyez inquiet, je le comprends, mais, mais soyez ouverts à, à la négociation qui se met en ce moment en place et profitez-en pour, euh, pour aller négocier le fait que vous pouvez être mieux payés et que tout ça peut finir au final dans un système à points à donner de bonnes retraites. C'est vraiment l'objet du gouvernement. Alors c'est vraiment un tout dernier mot rapidement. Oui, bon juste je vais répondre à ça quand même. Euh, ça fait deux ans maintenant un peu plus que Monsieur Blancard ministre de l'Éducation qui nous dit qu'on va être valorisé et qu'il ne nous revalorise pas. Il ne le fait pas. Donc pourquoi maintenant d'un seul coup là ça va arriver Non il a pas on n'a pas de raison de croire qu'il va le faire. Deuxième chose euh, le point d'indice qui permet de calculer euh, le traitement des fonctionnaires est gelé depuis dix ans. Mmh. Ça veut dire que depuis dix ans on est c'est même pas qu'on n'est pas augmenté c'est qu'on perd du pouvoir d'achat par rapport à l'augmentation du coût de la vie. Est-ce qu'ils reviennent dessus Non. Donc, Mais ah, pour la réforme des retraites, attention, c'est l'occasion, vous bah allez oui. voir, là on va vous revaloriser. Bon, excusez-moi d'être un tout petit <laughs> peu sceptique. Et dernier point, revaloriser les, les enseignants, ça ne veut pas dire accorder des primes à quelques-uns euh, sous couvert d'avoir fait des missions ou d'avoir mmh. participé à tel stage ou tel stage. C'est augmenter les salaires de tous les enseignants les salaires. Merci voilà. à tous les deux. Le dé débat n'est pas terminé et on y reviendra. On voit qu'il y a encore des choses effectivement à négocier. A très vite sur TV7.